Salut tout le monde, c'est Kiwi. On se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Subnautica, les amis. Alors, attendez, je vais rentrer dans mon... Voilà, je vais rentrer ici. Alors, voyons un petit peu où j'en étais. J'avoue que je sais plus trop ce que j'avais fait et ce que je voulais faire. Donc là, en fond, on s'était construit ça, le réservoir eau de haute capacité. Ah, on avait récupéré un poster. Ah oui, on avait été dans le... dans une épave qu'on avait trouvée, donc j'avais récupéré un peu de... Un peu de trucs. Alors ça, je vais pas le manger, je vais le jeter. Niveau bouffe, du coup, j'ai plus grand-chose, j'ai que ces deux petits poissons. J'ai pas d'eau. Hop là, on va éteindre ça. On va reprendre ça. On va s'auto-scanner pour voir un petit peu ce qu'on a. Je suis infecté, bon. Je sais pas si ça a un... Enfin... Ah, et apparemment, on a un message. Parfait, les amis. Ben, vous savez quoi? Je vais mettre ça là-dedans. Ça, je vais le jeter. Ça, je vais l'envoyer dedans. L'extincteur, en vrai, j'en ai jamais besoin, hein, pour être honnête. La pile, je vais la garder. Je suppose qu'à un moment donné, je pourrais faire... je pourrais les recharger, parce que... vu qu'il me dit charge 0%, je me dis peut-être quand j'aurai ma base, vous voyez. Des lingots de titane, ben, ça, on va garder. Et puis, ben, on est bon, hein. Mince. Je vais me craft... Rien du tout. Non, rien du tout. Attendez, là, je peux faire un truc. Ah, je peux faire un recycleur. Ok. Ok, bah écoutez, on va du coup... Ah oui, écoutez la radio. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Ok. Ok, donc je pense qu'il y a le Sunbeam qui devrait arriver un de ces quatre. Alors là, pour l'instant, du coup, moi, faut que je trouve de la bouffe, les amis. En fait, attendez, je vais ranger ça. Où est la boule que j'avais mise? Je ne la vois pas. Qu'est-ce que c'est ça? On est d'accord que j'avais mis mon truc à poisson par ici, là. Le piège à gravité, non? Ok. Bah écoutez, on va ramasser du coup des poissons. Oh! J'ai jamais été par là, je crois, si. Ah non, c'est pour ça que je voulais. Ok, on va prendre la lampe. C'est quoi ça là-bas? Ah, de l'or! Nice! Donc là, je fais gaffe un peu à mon oxygène. C'est méchant ça ou c'est gentil? Ça a l'air gentil. Ça, c'est du quartz. Je me dis, pour faire du verre, ça peut être intéressant. Donc là. Alors attendez. Ah, bah en fait, elle est là, ok. Et du coup, ma truc, elle est où? Alors bon, j'ai pas besoin d'aller chercher du poisson, du coup, pour l'instant. Sauf si. Ah, il y a des pochons. Comme ça, là, en fait, là, je vais me refaire un maximum de bouteilles d'eau, les amis.
Par contre, je vous avoue que ce truc-là, c'est un bonheur, hein. Ah, ok, ouais, ok, je suis à 100 mètres de lui, en fait. Est-ce qu'il bouge, ce truc? Enfin, est-ce que vous savez si, genre, il dérive? Je pense qu'il dérive, hein. Je... Honnêtement, je pense pas que je l'avais laissé aussi loin de moi. Mais bon. Voilà, donc là, je vais me faire de la, de l'eau. Ça, c'est cool, en vrai. Franchement, ce piège, c'est une tuerie, hein. Parce que là, en fait, niveau bouffe, j'ai plus à m'en occuper. Parce qu'il m'en ramasse tout seul. Et si j'ai de la chance, il me ramasse même de l'eau tout seul. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ok, bah j'ai plus de pochons. Je vais me construire ça. Enfin, je vais me créer ça parce que j'ai plus beaucoup de bouffe, les amis. Et je jetterai l'autre. Par contre, les 135 d'oxygène, là. C'est trop bien. Je vais me refaire du verre. Histoire que j'en ai un peu de base, vous voyez. Je vais boire du coup mon eau. Ah, je devrais peut-être manger ça d'abord, ouais. Et ça. Et du coup, il va falloir que je me fasse de la bouffe. Là, j'ai ça qui est pas mal. Ok. Voilà, bon, mince. Donc là, là on est bien, là. Donc là, on va continuer d'explorer. Là, ce qu'il faudrait... Ok, j'ai plus trop d'énergie sur ça. Donc on va l'économiser un petit peu, les amis. Je vais essayer de trouver, en fait, si j'ai des... Ah. Fragrant Sea Glide, ça je l'ai déjà, non? Ouais, ça me donne du titane. Quoi, œuf de créature, on s'en fout. Pochon, ça je prends. Et là, on va continuer d'explorer, les amis. On va même aller un peu plus loin s'il faut. On va essayer de trouver un petit peu des choses. Il y aura qu'un des sables ici. Je vais essayer de le contourner. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah, c'est les vignes. Ok. C'est quoi ça? Un dépôt de sel. Ok, on va le prendre. De toute façon, c'est... Ça, c'est pas perdu. Attendez, je vais jeter du coup mon poisson, là. Mince. Oh, qu'est-ce que c'est ça, là-bas? C'est du débris ou c'est un fragment de quelque chose? Bon, c'est pour du titane, je pense, donc on va le prendre. Ok, donc là, il y a encore un requin des sables ici, vous voyez. Voilà, je vais commencer à remonter tout doucement. Comme ça, je vais voir un peu où j'en suis par rapport au... Bah, par rapport au... Comment ça s'appelle au... Alors, attendez. On est là... Ah merde, je suis à côté de l'Aurora, en fait. Je voulais pas nécessairement aller à côté. Je voulais aller plus, peut-être, à d'autres endroits. Je vais aller par là-bas, je me dis, peut-être que... Peut-être que j'aurai quelque chose. Alors... Donc là, en fait, si j'ai bien compris, les amis, vous me dites si je me trompe, mais là, le but, c'est vraiment que je trouve des épaves pour trouver, en fait, des choses dedans, c'est ça? Genre des fragments de quelque chose ou quoi? Attendez, j'ai vu un pochon, je l'ai perdu. D'après ce que j'ai compris que vous m'avez expliqué, c'est ça que je dois faire. Hein. Encore du débris. J'essaye de scruter là pour voir un petit peu si je vois des... Si je vois des épaves ou quoi. Et franchement là, le fait que j'ai 1 minute 30 maintenant d'oxygène, les amis, c'est une tuerie.
Ah, attendez, il y a une caisse là-bas. Peut-être que la caisse, je l'ai pas... Je l'ai pas découverte. C'est quoi? Ah, un canon à propulsion. Bon, ça m'intéresse pas spécialement. Mais ici, il y a avoir pas mal de caisses. Je me dis, c'est peut-être pas mal, ça. Encore un canon... Qu'est-ce que c'est, là? Oh! Ok. Il y a quelque chose à ramasser, là. Ah, mais je suis vraiment à côté de l'Aurora. En fait, j'ai l'impression que peu importe où je vais, j'arrive à l'Aurora, quoi. On a quoi, là? Ok, alors je vais essayer d'aller par là-bas, hein. Ok, là, je me dis qu'on a peut-être une caisse, à moins que ce soit l'Aurora. Punaise, Bon, attendez. Je vais aller par là. Parce qu'en vrai, je sais pas, genre... Qu'est-ce que c'est ça, à scanner? Encore, même ça, j'en ai déjà... Au pire, je jetterai tout le titane que je récupère en masse, vous voyez. Ouais, donc là, je suis vraiment collé à l'Aurora, mais bon. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une pile? Ah, ça m'intéresse de fou, par contre. Je vous avoue. Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah, ok. Ok, c'est quoi ça? C'est vraiment joli ici, hein, les amis. Ça va surtout l'air d'être un cul-de-sac, mais... Ouais, c'est vraiment joli. Non... Ah, tout ce qui est pochon et tout, je me dis, ouais, pourquoi pas. Allez. Pochon, viens là. Je vais regarder où je suis là par rapport à l'Aurora. Ok, là, je suis bien. Donc, je vais continuer par là. C'est quoi ça? Ah, bah, c'est une épave, les amis. Je regarde, est-ce qu'il n'y a pas de... Ah, mais j'ai dû venir ici, non? Parce que j'ai une caisse vide. Celle-là, elle est vide aussi. Ouais, je pense que je suis déjà venu ici, pour être honnête. Oh, attendez. Ah, une chaise de bureau à scanner. Nice. Au moins, j'ai pas tout perdu, les amis. On va regarder un petit peu. Parce que j'ai vu une porte, là, tout à l'heure. Attendez, c'était où? Ah, c'était par là. Ça, je peux rentrer ou pas? Non. Là, je peux pas rentrer. Je me suis coincé. Non, bah, ok. Bah tant pis. J'avais déjà dû l'explorer. On va regarder un peu par là, là, si je vois des choses. Putain. Alors... Il y a un pochon là, non? Ouais, et donc là, les amis, le but, c'est ça, en fait. C'est que je... Je vais remonter. Ok, c'est bon. Là, je commence à m'éloigner un peu de l'Aurora. Ça, c'est cool, en vrai. C'est que là, les amis, en fait, juste, j'explore. Oh, c'est beau, les amis! Est-ce qu'il y a un mode photo? Non? Les amis, obligé, je prends une photo comme ça. C'est tellement joli. Je pense même que ce sera la miniature. C'est quoi ce poisson là?
Ah, c'est les poissons colliers, ça, ouais. Ça, j'en ai pas besoin. Je regarde si je vois des choses. Franchement, le jeu est vraiment très très joli, hein, pour être honnête. On va aller voir là-dessous. Peut-être allumer un peu la lumière. Pour que vous y voyez quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah, voilà. Ça y est les amis, j'ai un nouveau schéma. C'est vraiment splendide ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est quoi ça? Ok, on va continuer un petit peu d'explorer. Donc voilà, ouais, les amis, moi j'explore. Ok, je vais prendre ça là-bas et je vais remonter en vitesse. Attendez, y a rien à... Ah mince, je pensais que c'était un coffre, vous voyez. Ok, il me reste 30 secondes. En 30 secondes, c'est quoi, on va y aller avec ça. Et j'essaie de remonter vers ma maison. Qui est là-bas. Voilà. Donc là, normalement, les amis, je peux faire la baie mobile. On va rentrer à la base. Comme ça, je vais me refaire un peu à bouffer. Et je vais pouvoir voir en vérité si ce que je peux me faire et à quoi ça sert surtout. Ce truc-là, parce que je connais pas. Et j'espère honnêtement que c'est un... Que c'est pas un craft très difficile. Et ouais, je pense que je prendrai quelques poissons qui sont accrochés à la boule là, au piège. À haute capacité. Voilà, bon bah là on est bientôt arrivé, donc on va y aller avec ça. C'est quoi ce poisson là? Ah oui, c'est les bouboules. Hop, j'ai ramassé un pochon aussi sur la route. De toute façon, des pochons, les amis, on en a jamais trop. Ça. Cette caisse. Ok, je peux rien en faire. Dommage. Du coup, la boule, je crois qu'elle était descendue là-bas. Ouais, ça, la boule, elle est là-bas. Oh bah, vous savez quoi, il me reste 60 secondes. J'ai le temps d'aller prendre 2-3 poissons. Ouais, je vais prendre 3-4 poissons, je pense. Comme ça, je pourrais en saler quelques-uns, vous voyez. Vous savez quoi, je vais prendre pochon. Je vais prendre pochon, toi monsieur, et... Toi monsieur, voilà. Le jeu honnêtement est vraiment très très beau les amis. Et franchement en plus de ça, il a l'air vraiment optimisé parce que... Bah honnêtement, j'ai aucun problème avec mon PC pour le faire tourner quoi. Et en streamant, c'est surtout ça en fait le truc. Alors, déployable, à quoi ça sert ça? Attendez. C'est pas là? Construit des véhicules à partir des matériaux bruts. Ok. Je vois pas le... Alors, lingot de titane, je crois que j'en ai. Batterie de capacité, je crois pas en avoir. Je vais regarder. Lingot de titane et lubrifiant, il me faut. Attendez, mais je vais me faire à manger déjà. Et je vais me faire des réserves de flotte. Comme ça, après, en fait, on est tranquille de ce côté-là. Et je pense que je vais me faire des caisses aussi. Pour mettre à côté de la maison. Comme ça, en fait, dans lesquelles je pourrais stocker du poisson, stocker de l'eau. Parce que mine de rien, la l'eau, ça descend très très vite, les amis. Hein. J'ai quand même pochon encore sur moi, là. J'essaie de cuire un pochon pour voir combien ça donne. Parce que ça, c'est un craft que j'ai jamais testé. Donc, bah, je me dis, ça peut pas faire de mal. Ok, bah, c'est parfait, j'en ai plus. Je peux saler un truc, je peux faire un boomerang séché. Je vais faire celui-là.
Je me dis quitte à avoir du dépôt de sel, les amis, autant en profiter, vous voyez. Ok, bah j'ai pas tant de poissons que ça en vérité. Donc je vais regarder. Donc ça, je vais m'en faire. Dans laquelle je mettrai, bah voilà, mon stock d'eau. Comme ça, au moins, ça me fait un truc de plus dehors. Est-ce que j'en fais deux? Comme ça, genre une, j'y mets en fait des matériaux bruts. Genre le titane, vous voyez, ce genre de truc. Et une où je peux y mettre autre chose. Ouais, voilà, on va faire ça. On va un peu améliorer notre truc. Donc on a dit lingot de titane lubrifiant, batterie haute capacité. Alors, attends, on va manger déjà. On va boire. Donc, on va manger. Alors, le pochon donne 15 quand même. Ouais, non, c'est pas tant que ça en fait. Hein. C'est pas tant que ça comparé à un boomerang qui me sert qu'à ça. Ouais. En vrai, je vais manger lui aussi direct. Hein. C'est quoi d'ailleurs le maximum? Parce que là on voit que je suis monté à 108, mais c'est quoi le maximum du coup les amis? Parce que là du coup j'ai une pile. J'ai de l'or. D'ailleurs attendez, j'ai chopé deux nouveaux schémas. Donc j'ai la baie à véhicule. Et j'ai un simote. Il me reste un fragment à trouver. Ça serait cool que je le trouve par contre. Ah oui, et la chaise de bureau, c'est vrai. Donc ça, la chaise de bureau, les amis, on pourra le faire. Plus tard. Alors, ici j'ai quoi? J'ai une pile seulement. J'ai mon lingot de titane, ça c'est fait. Le lubrifiant, j'en ai pas, mais je peux en faire avec ce truc-là. D'ailleurs, je vais m'en faire un morceau direct. Les amis. Eh, limite, dans un, je pourrais stocker le truc des points de vie, là, vous voyez? Bah, d'ailleurs, attendez, je vais le prendre. Il doit être prêt, d'ailleurs. Je vais même l'utiliser de suite. Hop, voilà. C'est un peu gâché, mais bon. Tant pis. Voilà, donc un lubrifiant, c'est fait. Il va juste me manquer. Il va juste me manquer la pile haute capacité. Donc, ça, les amis, comment on craft? C'est là. Donc, il me faut deux piles et un caoutchouc. Ah, mais attendez, je peux le faire, ça, non, le caoutchouc? Il me faut quoi pour faire du caoutchouc? Ah, il me faut des graines de vigne. Ça, j'en ai à côté. Et il me faut deux piles. Alors, est-ce qu'il me faut deux piles? Mais genre en mode, vous voyez. Genre là, j'ai une pile en fait, vous voyez. Elle est vide. Mais je vais regarder en fait si elle. Je vais regarder si elle compte. Parce que si je peux me craft en fait la baie maintenant. Ouais, c'est bon, j'ai les deux piles. Et le caoutchouc en silicone. Ah, mais d'ailleurs, attendez, ce que je vais faire. Je vais même être malin. Regardez. On va faire ça. On va faire ça. Et je vais prendre du coup cette pile-là. Voilà. Comme ça, normalement, là, j'ai toujours mes deux piles. Mais la vérité, c'est que j'en ai une qui a 30% et l'autre qui a 0%. Donc, faut que j'aille chercher du coup des. Ah, bah attendez. En fait, non, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais prendre la pile ici. Comme ça, je vais la finir. Vous voyez? Voilà, comme ça, là, en fait, j'explore encore un tout petit peu. Ok, est-ce que ça repop au bout d'un moment, ces caisses, les amis? Alors, je peux scanner un truc, apparemment. J'avais jamais scanné des vignes d'Orin? Ok. Alors, bon, ça, en vrai, inventory full, déjà? Ah oui, mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai que ça... Pas prendre beaucoup, c'est vrai, my bad. Alors, bon, déjà ça prend beaucoup et en plus il faut que je pose mes, faut que je pose mes trucs ici là. Je vais les mettre à côté de ma base. Les comment ça s'appelle ça là? Alors ça je vais les mettre en, ah ben j'en ai déjà une en 4. Parfait, je vais mettre en 4. Ouh. Elle est où? Comment je la mets? Ah, ok, juste comme ça, parfait. Donc là, ça sera du coup bouffe. Voilà, les amis, ça sera la bouffe. Et ici, ça sera tout ce qui sera mince. Minéraux. Voilà, les amis.
Donc là, ici. Voilà. Ici, je vais y mettre ça. Il y a quand même... Bon, il n'y a pas énormément de place, on va pas se mentir. Mais... c'est toujours ça de prix. Punaise. Ah oui, on va remonter peut-être pour l'oxygène. Comme ça, après, je vide en fait mon... Mon simote et basta, tu vois. Donc là-dedans... Par contre... Attendez, par contre, pour le coup, je vais la... Bon, tant pis. On va mettre ça dedans. On va mettre le verre, je considère que c'est un minerai aussi, basta. Hein. Et ça, par contre, comment je peux la... Ah ouais, du coup, je peux plus la remonter. Donc... Ouais. Alors attendez. Je vais récupérer ce qu'il y avait dedans et je vais la remonter un petit peu. Voilà, en fait, histoire que je puisse... Vous voyez, elle a lâché genre par ici, là. Voilà. Même en vrai, je pourrais mettre ce genre de choses dedans. Mais bon, alors. On a dit minerai, minerai et le verre. Voilà, les amis. Donc là, maintenant, on va aller chercher 2-3 trucs de plus. Peut-être du minerai, peut-être du titane. Voilà, si je trouve un petit peu des petites choses. Je tente de vider, en fait, mon énergie ici. Et après, je construis la baie à véhicule. Alors, des pochons, j'en ai pas mal, pour être honnête, mais bon. Ça fait de la bouffe. Œufs de créature, on s'en fout. Des pots de sel, je vais prendre. C'est... En fait, je vais enlever la... Je peux pas enlever la caméra, là? Si, c'est bon. Voilà, on explore un petit peu, les amis. De toute façon, c'est le but du jeu, donc explorons. Bon, je suis encore normalement un peu large niveau... Contre, attendez. C'est moi ou il me ramasse rien? Ouais, remontez. Yep, 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 je remonte de suite, les amis. Je devrais être bon là en vrai. Hein. Voilà. Donc là, on est bon, on n'est pas trop loin de là. Je replonge un dernier coup pour récupérer du coup un peu dans la grotte là, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je peux trouver? Oh, attendez, là, il y a un truc là. Ah, bon, bah ça, je l'ai déjà, c'est dommage. C'est un petit peu dommage, mais bon. J'ai pas vu un truc là à ramasser? Non. Ah, si, si, voilà. Du plomb, voilà, comme ça, en fait, là, je me fais un peu des stocks de toutes les ressources, vous voyez? Comme ça, en fait, à terme. Comme ça, en fait, à terme, j'aurais plus vraiment ça à faire. Donc là, bah, je fais ça avec vous, mais comme ça, vous pouvez me dire si c'est une bonne chose ou pas. Bon, on va remonter. C'est bon, on a bien vidé le truc. De toute façon, il me reste 9%, je m'en fous, je vous avoue. On va regarder un peu ici. Voilà, là, il y a des choses. Peut-être du cuivre. On prend. De toute façon, là, le cuivre, dans ce que j'ai compris, ça va m'être très très utile. Donc. Je prends. Ok, donc là on a ça. Les champis, je vais les laisser là. Ok, allez, on remonte les amis. Et on va là-bas. On va construire notre baie et on va s'arrêter là. Mais je pense que ouais, dès que je peux faire ma base, c'est mieux quand même parce que... Donc on a dit que j'avais besoin du coup... Attendez. Il faut que je change ma pile, voilà, que je mette L. Ok.
Non? Comment ça marche? Ah oui, sectionner, ok. Comme ça, ok, donc on prend ça. Là, on va dans le fabricateur, on va craft du coup de l'eau, encore une fois. Comme, voilà, comme ça, là, j'ai plus besoin de prendre de pochons pendant un petit moment. On va craft du coup un... C'est quoi qu'il me fallait, les amis? C'est le caoutchouc en silicone, si je dis pas de bêtises? C'était ça, ouais. Ouais, on va craft ça. Et là, les amis, on se fait la batterie. Et normalement... Ah ouais, ok. Ah ouais, ça c'est de la pile les amis, enfin c'est de la batterie, regardez ça. 200 sur 200, là où une pile... à 100 sur 100, donc c'est-à-dire que j'ai deux fois plus. Est-ce que je peux le mettre dans le Stiglite par exemple? Non, 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 ok. Ok, je peux pas mettre ça dans le Stiglite. Ça m'étonnait aussi pour être honnête. Qu'est-ce qui me manque du coup? Ah le ouais le lingot de titane effectivement, je suis bête, je l'ai pas pris. Lingot de titane, où es-tu? Tu es là. Voilà, donc on fait ça et on va s'arrêter là les amis. Enfin on regardera ce qu'on peut craft avec, mais voyons un peu. Oh, ça met un peu de temps à se faire, mais ça va, pour être honnête. On aurait pu s'attendre à plus long que ça. Ça y est, les amis. Alors, je me demande un truc. Libérer la base. Ouais, mais je la libère où? Je la libère ici. C'est normal qu'elle se mette à côté de ma base? D'accord. Ah, d'accord. Donc, je peux juste faire un simote, en fait, avec ça. Ouais, ok. Et c'est quoi ces trucs là? C'est quoi ces deux trucs là qui tournent autour de moi? Ah ok, c'est... Ouais c'est ça, ok ok ok. Attendez. On va se mettre là. Et voilà les amis. Bon, bah, on va s'arrêter là. On a bien avancé. Et donc là, ouais, dites-moi si vraiment maintenant ce que je dois faire, c'est vraiment uniquement aller chercher des... En fait, chercher des épaves un peu comme j'ai fait là pour ça là. Et donc trouver du coup ce qui me manque pour créer un simote. Et en fait, à partir de quand je peux commencer à construire ma base? Je pense qu'il me faudrait ça. Pour finir le truc. Et le simote, je l'ai bientôt trouvé. Donc, voilà. Bah, les amis, du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon début de semaine. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.